À tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une dictée de mots qui va porter sur la lettre S qui fait le son Z. Si vous vous rappelez bien de la règle, un S pris entre deux voyelles fera le son Z et non le son S. Donc à chaque fois que vous entendrez le son Z, vous aurez à écrire la lettre S car elle sera prise entre deux voyelles. Alors c'est parti. On va commencer avec le premier mot. Un vase. Un vase. Un va, on entend v, a, ze, s, e. Mot suivant. Une rose. Une rose. Une, dans ro, on entend r, o, z, s, e. Une usine. Une usine. Une usine. Donc une, U, c'est la lettre U, Z, I, S, I, N, N, E. Une usine. Une fusée. Une fusée. Attention, il y a un E muet à la fin. Une fusée. Une fu, on entend f, u, z, z, et je vous ai dit à la fin qu'il y avait un e muet. Un blouson. Un blouson. Un blouson. Un blou. Alors attention, il y a quatre lettres, vous voyez. B, le B, L avec un L ou O, U. Zon, Z, fait par la lettre S. On, O, N. Un blouson. Ensuite, une valise. Une valise. Une valise. Une valise. Une valise. Une ardoise. Une ardoise. Une ardoise. Donc une ar, a, r, doigt, d, oie, z, z, e. Une ardoise. Un arrosoir. Attention, dans ro, on va répéter deux fois le son r. Il faut deux r. Un arrosoir. Je le répète une dernière fois. Un arrosoir. Donc un a ro, je vous ai dit qu'il fallait répéter deux fois le son r, deux r, o, zoir, z,
Oir. Un arrosoir. La cuisine. La cuisine. La cuisine. La cuisine. Donc la cui, c'est que fait par la lettre C puisque derrière il y a un U. I cui zi n n e. Et pour finir, un oiseau. Attention, il faudra prendre le O à trois lettres. Un oiseau. Une dernière fois, un oiseau. Donc un oiseau, z, et je vous ai dit le O à trois lettres. Vous vous rappelez, c'est le E, A, U. Un oiseau. Voilà, la dictée de mots est terminée. Je vous invite vraiment à bien corriger votre dictée avec les mots que j'ai écrits à l'écran et à ne pas hésiter à recommencer cette dictée pour que cette lettre S qui fait le son Z soit bien comprise. À très bientôt.